Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 30 septembre 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire ce soir. Deuxième condamnation pénale pour Nicolas Sarkozy, cette fois dans l'affaire Big Malion. L'ancien président de la République a été reconnu coupable de financement illégal de sa campagne de 2012. L'interdiction des thérapies de conversion en discussion à l'Assemblée. Une loi doit être votée la semaine prochaine. On en discute avec nos invités. Benoît Berthe-Siward, porte-parole de l'association Rien à guérir. Bastien Lachaud, député insoumis qui défend le texte, et Timothée de Roglaudre, journaliste qui a enquêté sur le sujet. Tout ça pour ça. Une campagne démesurément chère, des shows, des meetings qui ressemblent à des shows spectaculaires, mais une élection perdue et 9 ans plus tard, une condamnation pénale. Aujourd'hui, un ancien président de la République a été condamné pour financement illégal de campagne électorale. Cet ancien président, c'est Nicolas Sarkozy. La campagne, c'est celle de 2012. C'est ce qu'on appelle l'affaire Big Malion. Et ça fait de Nicolas Sarkozy injusticiable, condamné 2 fois. Salut Fabrice. Salut Valentine. On résume les points clés de ce jugement avec toi. Le parquet avait requis 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Le tribunal est allé plus loin. 1 an de prison ferme. Comment tu qualifies cette condamnation ? C'est une condamnation qui montre que les juges du siège, les 3 juges, les magistrats qui ont condamné, sont allés plus loin, comme tu le dis, que les réquisitions du parquet, et en fait sont allés le plus loin possible. C'est-à-dire que pour la peine de financement illégal de campagne électorale, la loi a prévu au maximum 1 an de prison ferme. Alors, il peut y avoir des débats sur, pour une incrimination aussi grave, la peine peut paraître faible. Enfin, c'est la loi. Et les juges ont décidé qu'au regard du dossier et au regard du procès, de ce que est le dossier d'instruction, et notamment l'instruction du juge Serge Tourner et le procès et les longues journées d'audience ont permis de documenter factuellement, il fallait aller au maximum concernant la situation pénale de M. Sarkozy. Que disent les juges dans le délibéré ? En fait, concernant Nicolas Sarkozy, qui a été jugé et condamné avec 13 autres personnes... Ouais, c'est, tous, en fait, voilà, tous les prévenus ont été condamnés. C'est un système qui a été mis au jour sur des dépassements des financements autorisés de la campagne présidentielle de 2012, qui normalement sont limités à 20 millions d'euros pour la campagne. Là, ont dépassé les 40 millions d'euros, ont été maquillés aux autorités de contrôle grâce à des fausses factures. Donc c'est une énorme carambouille politico-financière, et dans leur jugement, les juges disent que Nicolas Sarkozy, contrairement à ce qu'ont été les arguments de défense, qu'il y avait des éléments matériels pour démontrer qu'il savait que les coûts de sa campagne étaient en train d'exploser, qu'il a incité pourtant à la poursuite des dépenses, qu'il n'est pas né de la dernière pluie, il connaît parfaitement ce qu'est une élection présidentielle puisqu'il avait été déjà élu en 2007, et donc qu'il est responsable, comme le dit le code pénal, du dépassement des frais de campagne. Et le tribunal parle de fraude réfléchie et concertée. Absolument. Il n'y a pas d'ambiguïté. Absolument. Alors, Nicolas Sarkozy et l'exemplarité en politique, c'est compliqué. C'est sa 2e condamnation. La 1ère était pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Bismuth. Et une 3e affaire financière pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Oui. La 3e affaire dont tu parles, c'est une affaire que les lecteurs de Mediapart connaissent bien. C'est l'affaire dite des financements libyens ou l'affaire Sarkozy-Kadhafi, pour laquelle l'ancien président est mis en examen 4 fois. On le répète souvent, y compris sur ce plateau, notamment pour corruption et association de malfaiteurs. Et avec lui, ils sont également mis en examen 2 anciens ministres de l'Intérieur, messieurs Guéant et Hortefeux, et un ministre du Budget et du Travail, monsieur Éric Woerth. Faut bien prendre quand même... Là, on parle de la campagne 2007. Et là, on parle de la campagne de 2007. Big Malion, c'était la campagne de 2012, tout à fait. Il faut quand même bien prendre la mesure de ce qui est en train de se passer sous nos yeux, qui n'est pas une sorte de fait divers qui percute la chronique médiatique et politique et va s'enfuir comme ça dès le lendemain, même si certains y ont intérêt. En 6 mois d'intervalle, un ancien président de la République a été condamné 2 fois par la justice dans 2 affaires gravissimes. Sa 1ère condamnation était déjà historique. C'était la 1ère fois qu'un ex-chef de l'État était condamné pour corruption. Chirac l'avait été, mais pour un autre délit. Et il est de nouveau condamné 6 mois après, cette fois pour financement illégal de campagne électorale. Il a fait appel et donc il y aura probablement... Enfin, il y aura de toute façon un procès en appel. Il n'en demeure pas moins qu'il y a désormais... Après les enquêtes, après les constatations policières, après les diligences judiciaires, il y a 2 jugements qui documentent factuellement une réalité que certains ne veulent
pas voir et qui pourtant nous dit quelque chose de profond, d'une maladie française, d'un curriculum judiciaire français très inquiétant, qui est celui de sa situation judiciaire et de celui d'un certain nombre de ses responsables politiques. Alors cette condamnation, elle pourra se faire en fonction de la confirmation, on en appelle sous le régime de l'aménagement de peine et du bracelet électronique. Rappelons-le, parce que c'est savoureux, qu'en 2015, Nicolas Sarkozy se déclarait opposé aux aménagements de peine pour les peines supérieures à 6 mois. Alors la justice trop laxiste, hein, c'est une rengaine de toujours des sarkozystes et de ses amis jusqu'à encore récemment. On n'incarcère plus dans notre pays, on n'emprisonne plus quand vous êtes condamné à jusqu'à 1 an de prison ferme. Vous n'allez pas en prison, il faut revenir sur cette loi. C'est que toute personne condamnée à une peine, même légère, doit l'effectuer rapidement. Ça semble être une évidence, et pourtant. Aujourd'hui, même condamné à 1 an de prison ferme, on ne va que rarement en prison. C'est une évidence. Étonnamment, on n'a pas droit au couplet de la justice laxiste. Ouais, c'est terrible, parce que les deux personnes qu'on vient de voir, donc Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui sont tous les deux candidats à la magistrature suprême, à la présidentielle, les deux ont apporté aujourd'hui publiquement leur soutien à Nicolas Sarkozy, rappelant à quel point ils considéraient que c'était un grand président. 2 fois condamné donc, allant même pour Xavier Bertrand dire qu'il espère que la vérité se fera jour en appel, sous-entendu, les juges qui l'ont condamné ont menti. Donc. C'est terrible parce que je crois que ce type de prise de position détruit le peu de confiance que certains avaient encore dans la parole publique. On l'a vu, les mêmes qui demandent une tolérance zéro absolue pour la délinquance de droit commun, là, baise la bague du chef de clan quand il est dans la difficulté. Et je crois qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est la nature du délit qui est ici en question. Et c'est un rapport à la délinquance en col blanc qui est au cœur de ces réactions-là. Et imaginez que Nicolas Sarkozy ait été condamné 2 fois pour trafic de stupéfiants ou pour braquage. En fait, la question ne se poserait même pas. Mmh. Pourquoi se pose-t-elle pour la lutte contre la délinquance en col blanc et la corruption ? Si on ne se rend pas compte qu'avec de telles prises de position, on va payer encore, nous, citoyens, qu'on soit de gauche ou de droite, vraiment peu importe, encore longtemps la facture de la défiance démocratique que ça coûte, eh bien, je pense que les problèmes sont encore devant, même si on peut évidemment ne que constater qu'une institution, et non des moindres, la justice, est passée et n'a pas tremblé en dépit des outrances et des attaques folles dont elle a été la cible, notamment du camp Sarkozy. Pour finir, Nicolas Sarkozy, donc condamné 2 fois, est-ce que ça change quelque chose pour lui ? À terme, ça va finir, si les condamnations sont confirmées en appel, à changer quelque chose, puisque pour l'instant, dans ces 2 dossiers, il est condamné au bracelet électronique. Mmh. Alors, la peine n'est pas exécutoire et l'appel étant suspensif en droit pénal, il faudra une confirmation en appel des jugements pour cela. Mais chacun sait que dans la lutte contre le crime, la première des sanctions, c'est la sanction de son milieu, c'est la sanction sociale. Et on voit bien que pour Nicolas Sarkozy, il n'y en a absolument aucune d'ailleurs. Par exemple, après sa première condamnation, il a reçu un soutien amical de qui ? Du ministre de l'Intérieur en exercice, Gérald Darmanin, qui a quand même autorité sur les policiers anticorruption qui ont enquêté et grâce à qui on a pu confondre Nicolas Sarkozy. Il faut se rendre compte du message ravageur qui est passé. Nicolas Sarkozy est invité sur des grandes chaînes de télé, même à la radio publique, pour discourir tranquillement sur les œuvres de notre époque. Il est même invité comme invité d'honneur en octobre au congrès des experts comptables. Peut-être pour lui. Et donc ça n'a aucune espèce de facture. Exactement. Comment on maquille des fausses factures. Et donc ça n'a aucune espèce de pour lui de conséquence dans la vie sociale. En dépit de ce que d'aucuns appellent le tribunal médiatique. En dépit de la dictature des juges. Et là, la question n'est plus les médias. On parle de la justice et de la justice qui a jugé. Bien sûr. Merci Fabrice. Merci on à te toi. Lit dans Mediapart ce soir d'ailleurs ton analyse sur ce jugement Sarkozy, une décadence française. C'est le titre de ton papier. Et à lire aussi le récit de cette audience et toute l'affaire Big Malion sous la plume de Michel Deléon. J'accueille maintenant nos 3 invités pour parler d'une loi qui doit mettre fin à une pratique considérée comme de la torture par l'ONU, les thérapies de conversion. Celles et ceux qui considèrent qu'il faut guérir l'homosexualité ou la transidentité seront bientôt hors la loi puisque les thérapies de conversion doivent être formellement interdites dans une loi à venir. Pour en parler, je vous présente donc mes invités. Benoît Berthe-Siward, je prononce ça bien. Oui. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes réalisateur, porte-parole du collectif Rien à guérir et vous avez été vous-même victime d'une thérapie de conversion pendant votre adolescence. Timothée de Reglaudre, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste, vous avez enquêté sur ces thérapies, vous avez signé le livre Dieu est amour qui va apparaître.
et le documentaire Arte homosexuel, La croisade des guérisseurs. Et Bastien Lachaud, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise, vous avez copiloté une mission d'information sur les thérapies de conversion avec votre collègue de la majorité, Laurence Vanceunebrock, ce qui aboutit à une proposition de loi, je cite, « interdisant les pratiques visant à modifier l'identité sexuelle ou l'orientation de genre d'une personne », proposition qui a donc été adoptée hier en commission des lois. Elle crée cette infraction spécifique dans le code pénal. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée, qui est pour la proposition de loi, qui est contre. Elle est très largement adoptée. Et le texte sera examiné en séance publique mardi 5 octobre prochain. L'aboutissement donc d'un long travail. On pourrait se dire là comme ça que, évidemment, que les thérapies de conversion c'est interdit et qu'on n'a pas le droit de faire ça et qu'il y a ce qu'il faut dans l'arsenal judiciaire. Mais non, visiblement, il fallait une loi. En fait, les pratiques sont en effet condamnés, c'est de l'abus de faiblesse, c'est de la torture. La discrimination aussi. Enfin, mais on, ça va beaucoup plus loin. Quand on dit torture, ça peut même aller jusqu'à entraîner la mort de certaines personnes. Donc voilà, ces pratiques-là sont évidemment réprimées par le code pénal. Mais ce qui est important, c'est de créer un délit spécifique pour que les personnes qui sont victimes de ces thérapies puissent prendre conscience qu'elles sont victimes, puissent se sentir reconnus comme victimes, que cela permette un meilleur accueil de ces personnes, notamment dans les commissariats lorsqu'il y a dépôt de plainte, et que cela permette également de mener, d'avoir des statistiques sur l'ampleur de ces pratiques, aujourd'hui des statistiques qui n'existent pas. Mmh. Alors, justement, si on peut faire un peu de contexte, Timothée Droglaudre, le terme thérapie de conversion qu'on met entre guillemets, hein, bien sûr, parce que thérapie, ça peut avoir un sens positif, alors là, on n'est pas du tout dans quelque chose du soin, de l'ordre du soin, donc on la met entre guillemets, ça vient des États-Unis, c'est un terme qui est apparu dans les années 50, et là-bas, il y a carrément des stars de la thérapie de conversion. Ouais, alors en fait, si on prend l'expression thérapie de conversion au sens large, ça peut désigner des pratiques extrêmement diverses. Donc par exemple, aux États-Unis dans les années 50, c'était plutôt des thérapies pratiquées par la médecine ou la psychiatrie qui pouvaient se manifester sous forme d'électrochoc ou de thérapie hormonale. Et en fait, à partir des années 70, au moment où l'homosexualité était beaucoup plus reconnue, enfin commençait à être reconnue dans les sociétés occidentales, il y a eu dans les milieux évangéliques américains la naissance d'un mouvement qui s'est appelé « ex-gay », qui en fait était constitué d'homosexuels qui prétendaient avoir guéri de leur homosexualité grâce au Christ, qui se sont associés à des pasteurs donc évangéliques. Et ce mouvement est né de petits groupes de parole et en fait c'est étendu d'abord au sein d'autres religions, dont le catholicisme, et c'est exporté dans le monde entier en fait comme à la manière d'une multinationale à travers des missionnaires, etc. Et donc, est apparu en France. Benoît, pour qu'on comprenne bien, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on subit une thérapie de conversion ? Alors après, ça dépend quel type de thérapie de conversion on subit, parce que la mission Flash l'a bien montré, il y a différents types de thérapie de conversion. Là, on parle beaucoup des thérapies de conversion dites religieuses, qui se passent dans un cadre confessionnel lié à une lecture totalement dévoyée des textes, où ils viennent utiliser ça pour avoir des propos répétés, qui viennent culpabiliser la personne, la mettre dans une situation de honte, et essayer de lui faire comprendre que si elle embrasse ce mode de vie, entre guillemets, cette tendance, puisqu'ils ne considèrent pas que ça fait partie de la personne, leur vie sera ruinée, vouée à l'enfer, etc. Donc, beaucoup de rabâchage, etc. Mais il y a aussi des pratiques qui sont médicales. On le voit notamment à l'encontre des personnes transgenres qui sont encore assez violentes aujourd'hui en France, et même des thérapies sociétales. On a eu des exemples de viols correctifs. Enfin, ça paraît hallucinant, mais ça existe. Ou de mariage forcé dans certains cas. Timothée, vous avez donc enquêté sur ces pratiques. Est-ce qu'on peut les quantifier? Et aussi, j'ose un parallèle avec les scandales de pédocriminalité dans l'Église, phénomène longtemps mis sous le tapis et minimisé. Combien de personnes touchent ces thérapies? Et est-ce que la communauté catholique ou évangélique est dans le déni ou regarde ça en face?
Alors, sur la question des chiffres, comme l'a dit Bastien Lachaud tout à l'heure, la proposition de loi va aussi permettre d'avoir des statistiques sur le sujet, parce qu'il n'y en a aucune en France. Le monde de la recherche français ne s'est pas intéressé à cette problématique spécifiquement. Contrairement à d'autres pays, où par exemple au Royaume-Uni, c'est assez intéressant ce qui s'est passé, puisque l'Église anglicane, qui est la principale institution religieuse, a demandé au gouvernement d'interdire les thérapies de conversion. Et à partir de là, le gouvernement, à l'époque de Theresa May, a lancé une étude pour quantifier ces pratiques. Et le résultat, c'était que 7% des Britanniques LGBT s'étaient vus proposer une thérapie de conversion, principalement en milieu religieux. C'est énorme, et donc il faudrait absolument qu'on ait ce genre de statistiques en France. Et pour ce qui est des institutions religieuses, il y a eu des réactions très différentes en fonction des différentes institutions françaises, mais pour aller très vite, le Conseil national des évangéliques de France compte parmi ses membres Torrent de Vie, qui est une des principales associations pratiquant des thérapies de conversion en France. Donc ce CNEF l'a défendu depuis le début, et là récemment a envoyé aux députés des amendements pour édulcorer le texte, pour en fait pouvoir permettre aux pasteurs de continuer à faire des prières de délivrance, l'équivalent des exorcismes sur les homosexuels. Je vous donne la parole dans un instant. Est-ce que ces tentatives d'influer sur les députés ont fonctionné ? Est-ce que des députés ont proposé ces amendements-là ? Non, cela non, mais il y a eu d'autres tentatives visant notamment les personnes trans. Oui, alors on va y venir justement. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas eu ce point. Pour l'instant. Nous attendons la séance. Sur Benoît. Les chiffres, je voulais juste rajouter quelque chose. Le chiffre, en effet, de 7% ou entre 5 et 10 revient souvent. On l'a vu au Canada, aux États-Unis, et c'est deux fois plus fort, encore une fois, sur le sujet des personnes trans. On sait environ entre... Enfin, on dit souvent 14 à 15% de personnes transgenres qui s'est vu proposer ou subi des thérapies de conversion. Raison de plus pour que la transidentité fasse partie de la proposition de loi. On va y revenir. Une question d'abord, Timothée, dans votre livre, il y a un chapitre qui est intitulé « L'ombre de la manif pour tous ». En quoi est-ce qu'il y a un lien entre ce mouvement ultra-conservateur et homophobe et les thérapies de conversion ? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de terreau commun. C'est-à-dire que le mouvement ex-gay, dans sa version catholique, comme la Manif pour tous, s'inscrivent dans ce que le sociologue Yann Raison du Clézio appelle la contre-révolution catholique, qui essaie de ramener des valeurs conservatrices contre l'évolution des mœurs dans la société. Et donc, par exemple, les deux communautés religieuses qui ont été très présentes, très actives pendant la Manif pour tous, la communauté de l'Emmanuel et la communauté Saint-Martin, ont des liens très forts avec les thérapies de conversion. La communauté de l'Emmanuel a accueilli le mouvement américain Courage International, qui est inspiré des alcooliques anonymes, mais qui vise à non pas l'abstinence vis-à-vis de l'alcool, mais l'abstinence pour les homosexuels vis-à-vis des actes homosexuels. Et de la même façon, la communauté Saint-Martin est liée à des thérapies similaires. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que la Manif pour tous a beaucoup divisé les catholiques, plus que ce que les médias ont montré, en fait. Et donc il y a toute une partie des diocèses qui a vu qu'il y avait une blessure chez les homosexuels catholiques, une blessure par rapport à la séquence de la Manif pour tous, et qui a essayé d'ouvrir ce qu'on appelle une pastorale inclusive, donc de réfléchir sur la manière de mieux accueillir les personnes homosexuelles et transgenres dans l'Église. Et de l'autre côté, il y a une espèce de mouvement inverse. Une forme de radicalisation encore plus. Radicalisation d'une minorité ultra-conservatrice, donc qui a l'appui de quelques diocèses et qui a donc implanté des programmes comme Courage. Et actuellement, c'est vraiment c'est une sorte de lobby ultra-conservateur au sein de l'institution, puisque la Conférence des évêques condamne les thérapies de conversion, mais ne reconnaît pas la responsabilité de l'Église dans les souffrances qui ont pu survenir, par exemple va toujours mettre le groupe Courage à part, parce que le groupe Courage a été soutenu par des diocèses français et que donc ils font partie de la conférence des évêques, donc il y a une espèce de blocage interne. C'est un peu le syndrome des brebis galeuses ou
des exceptions dans une institution, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, ils reconnaissent pas que ça fait pleinement partie du fonctionnement de l'Église que de tolérer des thérapies de conversion. C'est le cas de minorité, quoi. C'est ça que ça. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on va rejeter la responsabilité sur des diocèses à l'échelle locale, sur des communautés, ce qu'on appelle des communautés nouvelles. Et en fait, il y a ce discours un peu paradoxal de l'Église est une institution centralisée et en même temps la responsabilité incombe à chaque diocèse d'accueillir telle ou telle communauté sur son territoire. Puisqu'on parle de l'Église, qu'est-ce que vous en attendez, Benoît, par exemple? En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que les institutions, quelles qu'elles soient, j'ai envie de dire religieuses et médicales, s'expriment fort pour condamner. On attend encore une condamnation claire, notamment de la Conférence des évêques de France, à qui on est en lien depuis quelques semaines assez intense avec eux. On leur envoie des mails, etc. Évidemment, il y a aussi le sujet de la CIAZ qui les occupe beaucoup en ce moment. Mais donc le rapport Sauvé sur l'ampleur de la pédocriminalité et des violences sexuelles dans l'Église qui sort mardi, le jour où votre proposition de loi est examinée. Exactement, malheureux hasard des dates, mais en même temps, ce qu'on a envie de dire, nous on nous a dit, nous on n'est pas sur le sujet de l'homosexualité, on est sur le sujet des abus. Mais nous, ce qu'on a vécu, c'est aussi des abus. Enfin, il y a eu un témoignage très fort d'un membre de notre collectif qui a fait un témoignage dans la presse hier en disant « Moi, je n'ai pas été violée sexuellement, j'ai été violée spirituellement. » C'est exactement les mêmes processus en fait, qu'accusent et qu'ont subi en fait, des personnes qui ont subi des violences sexuelles. Et j'ai envie de dire, il y a eu des cas extrêmement forts, comme celui de Tony Anatrella, ce psychanalyste prêtre français spécialiste au Vatican des questions de l'homosexualité, qui avait un cabinet à Paris et qui faisait des thérapies corporelles où il touchait ses clients pour les guérir de leur pseudo-homosexualité, etc. Donc là, on est complètement dans des sujets qui sont reliés. Et pourtant, la Conférence des évêques de France n'a pour l'instant rien dit. Alors, on sait que ça commence un petit peu à bouger, mais la conférence, enfin, là, il y a eu il y a eu une fiche notamment qui a été faite, mais qui n'est pas encore vraiment diffusée sur les thérapies de conversion. Une fiche où ils viennent plus ou moins s'extraire des thérapies de conversion, mais on attend encore C'est une fiche de prévention pour dire voilà, ce genre de pratique, c'est interdit, on le cautionne pas. Voilà, qui ne cautionne pas, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils condamnent faire et qui nous donne une liste d'actes en fait à mettre en place pour enrayer ces pratiques qui existent dans certaines communautés, pour les enrayer et s'assurer en fait qu'ils aient aussi de leur côté une personne responsable ou une petite cellule pour faire de la vigilance et s'assurer que ça ne reste pas que des mots de communication mais des réels actes pour que ça s'arrête. Alors, parlons du coup de la transidentité. Certains députés, les Républicains, d'ailleurs réputés proches de la Manif pour tous, ont tenté donc d'affaiblir le texte. On retrouve au fond les habituels clivages s'agissant des questions LGBT. Par exemple, donc, le député LR Fabien Di Filippo souhaitait que les thérapies de conversion ne soient pas considérées comme telles si on était sur l'identité de genre d'une personne mineure. Oui. Donc, en quoi pouvez-vous expliquer pourquoi, quand on s'attaque à l'identité de genre, c'est aussi une forme de thérapie de conversion? En fait, il y a deux choses. Hein. Il y a donc évidemment l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Sur l'orientation sexuelle, la thérapie de conversion vise à faire une personne homosexuelle, soi-disant, puisse redevenir hétérosexuelle. Pour l'identité de genre, c'est la même chose. Une personne qui se reconnaît comme homme alors que le sexe qui lui a été attribué à la naissance est un sexe féminin, va vouloir entamer un processus de transition pour que le sexe, son sexe physique, corresponde à son identité de genre. Et le fait, pour des médecins, pour des religions, pour des groupes sociaux, de vouloir empêcher la personne de mener à bien cette transition, de fait, est une thérapie de conversion dans le sens où elle empêche la personne de vivre son identité de genre comme elle le souhaite. Mais eux disent, ce sont des mineurs, c'est trop tôt. Oui. Non. Alors, en gros, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, l'affirmation de l'identité de genre se fait de manière précoce. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France,
La plupart des opérations ou des traitements médicaux qui permettent de faire une transition complète entre guillemets, et que, enfin voilà, il y a autant de transitions que de personnes, donc je retire ce que j'ai dit sur transition complète, ouais, ouais. Mais des opérations irréversibles, je dirais, sont interdites pour les mineurs. Mmh. Aujourd'hui, les seuls traitements qui existent, on va dire, sont des traitements hormonaux de blocage de puberté, mmh. Donc, qui permettent justement de bloquer la puberté et d'attendre la majorité pour pouvoir, déjà que la personne soit majeure, et pour pouvoir... pour pouvoir aller plus loin dans sa transition si elle le souhaite. Donc là, on n'est pas non plus sur sur du n'importe quoi qui serait fait en France. Pour vous, c'est un garde-fou pour permettre aux mineurs de continuer à pouvoir se questionner sur leur transidentité, y réfléchir et avancer dans ce processus, en fait. Moi, je pense que les personnes sont... Il faut respecter l'identité de la personne. À un moment donné, si un enfant veut explorer son identité et aller vers ce qu'il est profondément... Il faut arrêter avec des questions qui sont hors propos. Mmh. Les transitions sexuelles pour les mineurs sont interdites. Point barre. Il n'y a pas de question là-dessus. Là, on essaie d'utiliser des drapeaux de peur pour essayer de mettre de l'idéologie sur la table, alors qu'on est juste sur de l'identité profonde et du respect de la personne. C'est tout, quoi. Est-ce que les débats ont été compliqués ? Pour l'instant, non. On va dire que... ils n'ont pas été très compliqués. Ils se sont plutôt focalisés justement sur cette question de l'identité de genre, qui, il me semble, est un concept qui n'est pas très bien compris par les députés, les Républicains qui étaient présents en commission, ou en tout cas, ils font mine de ne pas bien comprendre de quoi il s'agit. Nous allons voir comment les débats vont évoluer en séance. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il semble qu'il y ait une très grande majorité de l'Assemblée, ou en tout cas, je n'ai pas entendu de groupe constitué en tant que tel qui se soit prononcé contre cette proposition de loi. C'est une grande avancée, c'est très bien. Il faut saluer cet quasi-unanimisme de l'Assemblée. Alors, pourquoi ce n'est pas arrivé avant ? Est-ce qu'il y a eu un manque de courage politique ? Écoutez, moi, j'ai du mal à comprendre comment les choses ont évolué. Hein. Donc là, je précise que le gouvernement fait passer cette loi en procédure accélérée. Exactement. Pendant cette toute dernière année de mandat. Oui. Vraiment, là, on est quasiment à la fin. C'est ça. Alors qu'ils ont traîné depuis très longtemps. C'est pas faute d'avoir alerté. Non. Est-ce qu'on parle de la tentative de récupération politique de Marlène Schiappa, qui n'a, semble-t-il, pas saisi le problème lorsqu'elle était en charge des discriminations? Écoutez, moi, je... Je vous tends une perche, saisissez-la, franchement. Mais non, je ne vais même pas... Allez-y, hein, je ne vais même pas la saisir, je vais juste dire que... En gros, le gouvernement... est-ce que tout ça, c'est de l'affichage? Alors, je ne sais pas si c'est de l'affichage. Ce qui est certain, c'est que on sent qu'il y a une élection présidentielle qui arrive, et on sent que le gouvernement a bien conscience que les thérapies de conversion étaient un sujet qui allait devenir un sujet majeur de l'élection présidentielle. Je sais que des candidats à l'élection présidentielle s'étaient déjà prononcés pour leur suppression, je pense à Jean-Luc Mélenchon notamment, mais ce qu'il faut constater, c'est qu'en juin, Christophe Castaner expliquait que la loi actuelle suffisait, qu'il n'y avait pas besoin d'inscrire à l'ordre du jour la proposition de loi sur les thérapies de conversion, et au miracle, au 15 septembre, il faut la faire passer très rapidement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé en deux mois ? Je n'en sais rien. Mais tant mieux. Tant mieux. Sur la question de la récupération politique, nous, ce qui nous a dérangé pour le collectif Rien à guérir, et ça fait une tribune qu'on a fait dans le Monde, c'est la tentative de récupération pour placer cette interdiction dans le projet de loi séparatiste de Marlène Schiappa, qui nous posait un grand problème, parce qu'en fait, pour nous, dire les thérapies de conversion, c'est des dérives sectaires qui sont condamnées dans le projet séparatiste, c'est ne se cadrer et de se focaliser que sur potentiellement les dérives sectaires des thérapies de conversion religieuses, alors qu'il y a un spectre énorme, ce qu'on a dit tout à l'heure. Médical, et donc, ça nous posait un vrai problème de l'associer, et puis en plus, l'association était un peu malheureuse, on pense. Est-ce qu'il manque quelque chose à ce texte et on en finira là ? Donc, je pense qu'il manque deux choses essentielles. Première chose, la plus essentielle, c'est la question des personnes intersexes. Donc on précise, les personnes qui naissent avec pas tout à fait un sexe d'homme ou pas tout à fait un sexe de femme ou les deux. Voilà, on peut résume de manière très largement au grand public, ça va être ça. Et ces personnes vont subir des opérations non consenties
La plupart du temps parce qu'elles décidées par leurs parents. Décidées par le corps médical qui exerce une pression sur les parents et qui crée de la peur chez les parents. Pour donc se déterminer vers un sexe ou un autre. Voilà, donc qui n'est pas forcément le bon, qui n'est pas forcément celui dans lequel la personne se reconnaîtra plus tard, ce qui entraîne des mutilations, qui entraîne des traitements hormonaux potentiellement à vie, qui sont donc d'une certaine manière des thérapies de conversion également, qui ont entraîné la condamnation de la France par 3 organismes de l'ONU, par l'Union européenne, par le défenseur des droits, etc. Je pense que c'est l'interdiction de ces mutilations a toute sa place là-dedans. Et dernier point, je pense qu'il faudrait également élargir le concept pour que soient condamnés également ce qu'on pourrait appeler ces thérapies de conversion d'ambiance, c'est-à-dire des communautés qui vont exercer une pression sur des personnes homosexuelles ou bisexuelles, etc., à tel point qu'il n'y aura même pas besoin de mener de vraies thérapies de conversion, mais que la pression sociale sera tellement forte que la personne ne va pas se reconnaître comme homosexuelle, etc. C'est ce que décrit Wissem Belkacem dans son livre « Moi, ma honte ». Et donc, j'ai proposé des amendements sur ces deux points qui ont été rejetés en commission et j'espère que nous pourrons avoir à nouveau le débat lors de la plénière. Une dernière chose à ajouter ? Non, pas spécialement. Personnellement, moi, enfin, j'espère en tout cas que ces thérapies de conversion sont de l'histoire ancienne. On est en 2021, on est dans le pays des droits de l'homme. Il faut que ça s'arrête. Là, je pense qu'il faut qu'on passe à des sujets plus importants pour la France, quoi. Enfin... On est d'accord. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Vous restez avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, petite séance de rattrapage. D'abord, cet article de Sarah Brett, Camille Polony et Antoine Rouget. Le Sénat examine la loi confiance dans l'institution judiciaire. Mais oh surprise, la droite en a profité, encore elle, pour assouplir le délit de prise illégale d'intérêt. Oui, oui, ce délit qui concerne les élus et accessoirement notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui ne sait bizarrement pas opposé à cet assouplissement. On traverse l'Atlantique avec Romaric Godin pour parler gros sous. La présidence Biden veut lancer 2 plans d'investissement dans les infrastructures et les dépenses sociales, alors que comme chaque année ou presque, les républicains menacent de placer le pays en défaut de paiement. Enfin, direction le Sahara occidental avec Rachida El Azouzi. Ce territoire disputé au sud du Maroc était inclus dans 2 accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc, mais la justice européenne en a décidé autrement. Elle vous explique tout ça. Libre, c'est fini pour ce soir. Je vous donne le programme du week-end. Vendredi, un Science Friction de Nicolas Chevassu au Louis sur l'obligation vaccinale. Faut-il vaincre ou convaincre l'opinion ? Samedi, votre documentaire s'appelle Biélutine dans le jardin du temps. Il est signé Clément Cogitor. Et dimanche, notre podcast L'Esprit Critique se penche sur le spectacle vivant avec Anaïs Éluin, Caroline Châtelet et Jean-Pierre Thibaudat. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. On se retrouve lundi. Ce sera Mathieu Magnodex aux commandes. Bonne soirée. Salut.